Tof. Alors après qu'on a vu hier donc l'importance des psukot des Imra, Shirat Hayam, on passe à Ishtabach. La fin des psukot des Imra, c'est une bracha, Ishtabach, très importante. Chazal disent que c'est deux avis. Un qui dit c'est Avraham Avinu qui a écrit toute cette bracha de Ishtabach, et un qui dit que non. La première partie, jusqu'à Baruch Ata Hashem, c'est Shlomo HaMelech, et toute la dernière partie, Baruch Ata Hashem, la bracha en elle-même, c'est Avraham Avinu. Donc une bracha qu'on a directement de Avraham Avinu, notre arrière grand-père, le premier de la dynastie. Dans cette bracha, on cite 13 louanges d'Hashem. Agdoula, Tilecha, Nae Hashem, j'ai oublié, d'accord? Non, 13 louanges d'Hachem. Alors il est important de les lire lentement comme il se doit bien, pas les lire en une seule respiration. D'accord, les gens vont rentrer vite, on va le lire dedans. Il y a un citron qui se balade là. Alors, Ishtabach, Shimcha Lad Malkenu El Melech Regal Vagadosh Bashamu Vaharetz, Kilecha Nae Hachem, car à toi, donc sois loué ton nom, car à toi Hachem Elokenu, l'Éternel est notre Seigneur, Veloke Avotem, Seigneur de nos pères, l'Olam Vaed, reviens. Pour l'éternité, revient. Quoi? Shir, le chant. Shvacha, éloge. Halel, vizimra, louange et hymne. Oz, force. Omem, shalah, domination. Netzach, éternité. Gdoula, grandeur. Gvura, puissance. Teila, louange. Tiferet, gloire. Kdoucha, sainteté. Omalchut, et royauté. 13 louanges d'Hachem. Ça, c'est la partie de Shlomo, le roi Salomon, ou Avraham Avinu. Après, on se voit. Baruch ata Hachem, Melech. Gadol Moula Bishbachot, roi grand et célébré de louange, Kela Odaot, Dieu de grâce, etc. etc. Ça fait partie d'Avraham Avinu de tous les avis. Quand on va citer les 13 louanges que je viens de dire, alors il ne faut pas les citer en une seule respiration. Parce que c'est comme si tu fais trrr, d'accord, c'est comme tu viens à ta femme, tu lui dis, tu lui fais une louange, d'accord, mais celle que le rabbin t'a dit avant le mariage, tu as pris par cœur. C'est très sympathique, t'es belle, je t'aime beaucoup, ok, qu'est-ce qu'on mange? D'accord, non, il faut l'intonation et l'intention. Donc ne pas les lire en une seule respiration et ne pas aussi s'arrêter au milieu. Donc d'un côté, les dire d'un coup sans arrêt, mais pas non plus les dire trop vite en une seule respiration. Si on voit qu'on va devoir s'arrêter parce qu'il y aura le Kaddish, parce que juste après il y a le Kaddish. Et toi, d'habitude, tu es à peu près un peu avant, ou un peu après le Shiat Tzibour. Donc il y a de fortes chances que le Shiat Tzibour finisse avant toi et dise le Kaddish, alors que tu es au milieu de ces 13 louanges. Alors mieux vaut ne pas les commencer. Tu attends, tu répondras à le Kaddish, et après, quand tu as fini de répondre à le Kaddish, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch hop, tu reprends et je t'abarre. Ok, il n'y a pas de problème à cela. Sinon, moi, tu as été interrompu par surprise. Toi, tu rêvassais et puis tu disais, tac, il y a le Kaddish au milieu. Tu as répondu, Kaddish, j'étais au milieu de ces 13 louanges. Alors, c'est pas compliqué. Tu t'arrêtes au milieu, tu réponds Kaddish, tu réponds Baruch Hashem Vorach, Baruch Hashem Vorach, Shalom Vaed, et tu reprends au début Ishtabach. Tu reprends Ishtabach depuis le début et tu redis. Tant que, bien sûr, tu n'as pas dit la deuxième partie, celle d'Avraham Avinu, qui commence par Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem, le Kalum Al-Khaolam, c'est Jeanne Bracha. Il ne faut pas s'arrêter au milieu d'une Bracha. C'est Baruch Ata Hashem, le Kalum Al-Khaolam, tu finis la Bracha jusqu'en bas. Sans la reprendre, pas reprendre une bracha. On m'a dit une bracha que si on arrive en retard à la tuya, un truc, on peut le prendre directement à Ishtabach. Non. Si quelqu'un arrive vraiment alors, très en retard à la prière, le mieux c'est qu'il aille dans une autre synagogue, prendre la prière depuis le début comme il faut bien. Ça, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre minyan à 18 minutes à pied. Vous priez en temps la midah. Alors, il doit faire au moins Baour Shamar, Ashrei et Ishtabach. Si vraiment ça ne va pas, qu'il fasse Baruch Shamar et Ishtabach. Mais c'est très dur de ne pas dire Ashrei. Au moins Baruch Shamar, Ashrei et Ishtabach. Ça, c'est le minimum du minimum du minimum des pauvres types. Et s'il voit qu'il n'y arrive pas, il reprend depuis le début. C'est de quoi il est en retard vraiment. Genre, ils sont déjà à Ishtabach. Et quoi qu'il se passe, il ne va pas être prier en même temps que tout le monde. Non, ça va. S'il commence un peu après tout le monde à prier, c'est encore considéré comme Tzibour. Le mieux de Tzibour, c'est commencer la Mida avec tout le monde. Tant que le Shiat Tzibour n'a pas fini la première bracha. Après, tant qu'il n'a pas fini la troisième bracha, après, tant qu'il n'a pas fini la Amida, après, tant qu'on a commencé la Chazara, tout ça, c'est encore considéré comme Tzibour quelque part. D'accord? C'est tout encore considéré comme Tzibour. Il y a aussi une autre solution, qui est, si quelqu'un, par exemple, il voit qu'il ne va pas arriver, il ne va pas arriver à la Amida avec le Tzibour, il peut
il arrive un peu avant Gal Israël et il s'arrête. Il ne reste plus qu'à dire Baruch Hashem Gal Israël. Et quand il voit que Shar Tzibur va commencer sa Amida, il dit Baruch Hashem Gal Israël, Hashem Satir Fufiteti la Terre, et il commence à dire toute la Amida, mot à mot, avec le Shar Tzibur. Toute la Amida, à voix basse. Il dit à voix basse, en chuchotant, et Shar Tzibur, en même temps que le Shar Tzibur. Je crois qu'il y a Amen, il s'arrête à la fin du Bracha, Baruch Hashem Magen Abraham, tout le monde répond Amen, il s'arrête, et comme si Amen, le Tzibur répondait Amen à sa Bracha à lui. Il va faire Nagdishar ou pas? Il fait Nagdishar aussi. Tout. Comme le Chartibourg. Ce que le Chartibourg, il le fait aussi. La seule chose qu'il ne dira pas, c'est Birkat Kohanim. Ça, il ne dira pas. Ni Birkat Kohanim des Kohanim, ni celle que dit le Chartibourg, c'est les Kohanim ne sont pas là. Les Modim de Rabbanan, non. Modim, il dira le vrai Modim. Le vrai Modim, le Modim de l'Amida. Alors, comme le Chartibourg. Le Tzibourg répond le Modim de Rabbanan, lui répondra le Modim normal. Ça aussi est considéré comme Tfilah Betzibourg. Mais il y a un hic. C'est que pour qu'une prière soit considérée comme une prière, il faut prier. Il ne faut pas réciter. Il faut porter ce qu'on dit. Il faut avoir de l'intention. Or, vu que le Shar Tzibour, surtout en France, c'est le Midnight Express, d'accord ? C'est super rapide. Est-ce qu'il a le temps maintenant de penser ce qu'il dit ? L'Odéa. Si oui, alors c'est bon. Sinon, peut-être mieux vaut-il qu'il prie en Yahid, tout seul, sans pas en même temps que le Tzibour, mais au moins il prie. On peut commencer la Khazar avec lui et après prendre notre nom, nous, non ? Ça marche pas. Comment ça, la Khazara avec lui, tu n'y gagnes pas. Parce que si on veut vraiment que ce soit considéré comme Tzibour, faire toute la Amida avec lui. Non, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ok, alors au moins, tu as gagné la Kedusha. Ouais, tu peux faire. Donc tu commences avec lui, tu gagnes la Kedusha. Ce que je fais moi quand ça m'arrive d'être en retard, alors c'est que je commence tout de suite, j'attends personne. Je fais deux premières brachot très lentement. Je prends tout mon temps pour le dire bien comme il faut avec Kavana, de façon à ce que j'arrive à la Kedusha en même temps qu'eux. Eux reprennent, moi je suis déjà dans Mechayam et Tim, d'accord. Ils reprennent très très rapidement, avançant à la Kedusha, je peux dire la Kedusha avec eux. On peut, quand on est au milieu de la Mida, on peut s'arrêter, on doit s'arrêter. Si on est à l'endroit de la Kedusha en même temps que le Tzibour, on s'arrête dans notre Amida et on répond toute la Kedusha. Même la Kedusha, on arrête, c'est Arketer, tout, on peut tout répondre. N'importe quel moment de l'Amida ? Non, c'est seulement au même endroit que c'est entre la deuxième et la troisième bracha. Tu as dit Mechayam et Tim, tu n'as pas encore commencé à ta Kedusha. Après, jusqu'à Yuvatsan. On ne peut pas répondre. Je ne sais pas ce que tu dis. Je peux répondre jusqu'à Mechayam et Tim. Je dois répondre jusqu'à Mechayam et Tim, mais après, entre. Si tu es entre Mechayam et Tim et ta Kadosh, en même temps que le Tzibour se trouve aussi au même endroit, l'endroit où on dit la Kedusha, tu réponds à la Kedusha avec eux. On ne parle jamais durant l'Amida. Jamais, jamais. Il n'y a que deux endroits où on peut s'arrêter et dire des choses. Si on se trouve en même temps que le Tzibour pendant la Kedusha, on s'arrête, je dis maintenant Baruch Ata Hashem Mechayam Etim, tout comme maintenant il y a la Kedusha, je réponds avec eux, ou je réponds Kadosh Kadosh Baruch Eimlor, ou je dis tout avec eux, Nagdishar Vanaretzach ou Keter, Roshma Israël dans Keter, je peux tout répondre, toute la Kedusha. Je peux m'arrêter, pardon, je suis arrivé à Mechayam Etim, j'attends qu'ils arrivent à Mechayam Etim, comme ça je fais la Kedusha. C'est marqué que c'est pas bien. Donc le mieux c'est que tu ailles lentement. Tu dis tu fais tes deux premières brachot de la Amida lentement pour arriver en même temps qu'eux. Prie lentement, c'est permis. S'arrêter comme ça et attendre pendant 2-3 minutes, c'est pas conseillé. Et les moments où on a le droit de répondre à un Kaddish ou à la Kedusha, c'est entre Mechayam et Tim et ta Kaddosh. On répond après... que la Kedusha, pas Kaddish. Ah, ok. Que la Kedusha. Deuxième endroit, on peut durant la Amida s'arrêter et s'interrompre. C'est pour répondre les 3 Amen de Birkat Kohanim. Si on se trouve maintenant avec le Kohen qui fait Birkat Kohanim. C'est-à-dire que toi maintenant. Tu as fait ta Amida très lentement. En attendant, le Tzibour, déjà, il est arrivé à la fin de sa Amida. Et vous arrivez en même temps à la fin de l'avant-dernière bracha. Baruch Ata Hashem, Atosh Shemcha Ulachanae Lehodot. Kohanim, tu t'arrêtes. Il y a la bracha du Kohen. Les Varech Tamo Israël Be'ahava, ça ne te répond pas, mais la bracha du Kohen. Avant de faire Birkat Kohanim, il y a une bracha là-dessus. Chaque jour, nous sommes ça, Be'gushat Tosh Aaron, les Varech Tamo Israël Be'ahava. Ça ne te répond pas, amen. Tu réponds amen aux 3 brachot de Birkat Kohanim. Yevarecha Hashem v'yishmerecha. Tout le monde répond amen, tu réponds amen. Au mieux, tu es Amida. À condition que tu n'aies pas commencé la brachot après. Tu as fini Baruch Ata Hashem, Kel Haodot, tu n'as pas encore commencé Sim Shalom. Tu as cet endroit en même temps que les Kohanim, tu t'arrêtes, tu réponds amen. Non, pas Baruch Baruch Shmo, que amen. Les 3 mots, on peut dire amen, amen, amen. Donc le amen de Yevarecha Hashem v'yishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha v'chuneka, amen, Issa Hashem panav elecha v'yishmerecha shalom, amen. Et tu reprends Sim Shalom. Et pourquoi dans la première partie de l'Amida, on dit Eloke Avraham Yitzhak, jusqu'à
chez Mobéhava. Après, on répond pas Amen à ça, et après, on reprend. Après, on redit notre bracha. On dit la première bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melavotenu Avraham Yitzhak. Et après, on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Après, on dit pas Amen entre les deux brachot. Parce qu'après, il y a deux brachot là-dedans. Tu parles de la première bracha de la Amida. Ouais, la première bracha. Et après, il y a une deuxième bracha, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Oui, c'est la même, c'est la même. C'est comme la Shari Yetzar. Ouais. Toutes les longues brachot, elles commencent par Baruch Ata Hashem Kol Melech Haolam. Après, ils lisent un texte, après il y a la khatima, la signature. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, Baruch Ata Hashem, Rofe Chablasor, Mafil Asor, Baruch Ata Hashem, Azan et Akol. T'as commencé, Baruch Ata Hashem, Kol Melech Haolam, Azan, Otanu, Otanu, Kulam, Otanu, Bechad, Bechesed, Baruch Ata Hashem, Azan et Akol. On appelle ça la khatima, la signature. Signature, on rappelle un peu ce qu'il y avait au début. C'est pas une deuxième bracha, c'est la même bracha. C'est la signature de la même bracha. Est-ce que, comme on peut pas s'asseoir entre jusqu'à la fin de la bracha à Takadosh, on peut pas s'asseoir, c'est considéré comme dans la Kedusha encore? Dans la Khazara, tu veux dire? Ouais, dans la Khazara. Machloket. Machloket. C'est une discussion, une divergence des opinions. Il y en a qui disent qu'il faut rester debout jusqu'à Akel Akadosh, il y en a qui disent que dès que la. Il faut rester debout jusqu'à la fin de la bracha Baruch Ata Hashem Akel Akadosh, il y en a qui disent que non, dès que la Kedusha est terminée, tu peux déjà t'asseoir. Est-ce que celui qui est dans sa Amida devra répondre Amen à Akel Akadosh? Habibi, on répond rien dans toute la Amida, que deux choses que je l'ai dit. La Kedusha, elle est Amen du Birkat Kohanim quand on est au même endroit que le Tzibour. C'est tout. Même celui qui est dans sa, par exemple, qui fait sa. C'est prière. Tout. Je parle encore celui qui est prière personnelle qui est à la fin de la Amida, il arrive à la fin de la Amida, il parle tout seul. Et maintenant il y a la Khazara, il doit répondre non, à ça. Non, attention, quand je dis Amida, c'est Baruch Atam Shavuach Atam Bashalom, Yu La Rasson Mefri Begon Mefanecha Hashem Tzuri Goali, point. Là s'arrête la Amida. Et après il répondra à tout. Oui, non, pas à tout. Dans cette partie de la qu'on appelle Elokein Etzor, il répond les 5 premiers Amen de Kaddish, il répond Yeshmer Abba les 28 mots, il répond à la Kedusha, divergence d'opinion, la Rabbi Tzana Bashalom lui dit répond les 3, Kadosh, Baruch, Imnor. Le Rav Ovadia il dit que Kadosh et Baruch, pas Imnor. Avec Panagdisha? Non, ça ne sert certainement pas. Que les deux réponses que j'ai dit, ou les trois réponses. Il répond Baruch Hashem Vorach Lamo Vaed. Voilà, c'est à peu près tout. Ah, juste pour les communautés Midnight Express que vous avez dit en France, par exemple. Ouais. Si on sait que le lundi et jeudi, la fila est plus longue, et que le Tibour, il doit aller travailler, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une phrase pas de phrase. Enfin, pas une Amida. Avec une Amida, quoi. Difficile. Il y a une autorisation de ce type-là, mais c'est franchement pas génial. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y a pas le choix, les gens vont travailler, il n'y aura pas de minyan. Qu'est-ce qui est problématique? La Khazara, c'est une chose qui est très très haute. Très très haute. La Khazara est plus haute que l'Amida, que nous faisons. Plus importante. Preuve en est, pourquoi est-ce qu'on fait l'Amida à voix basse et la Khazara à voix haute? Parce que la Amida que nous faisons, elle a encore un monde assez bas, où, elle est déjà haute, elle est au septième niveau, Bina. Et Asilut, dans le quatrième monde, d'accord? C'est très très haut. Mais c'est un endroit encore où les forces du mal peuvent avoir un peu d'action. Après qu'on dit en chuchotant, et après la Kabbalah, il ne faut même pas s'entendre chuchoter, parce que les forces du mal attrapent les mots, elles empêchent de monter. La Khazara est tellement haute, c'est déjà dans Chochma, si je me souviens bien, que tu peux... à voix haute, et aller dire tout ce que tu veux, les forces du mal sont déjà complètement ratatinées, c'est beaucoup trop déjà pour elles, et on peut le dire à voix haute sans peur, sans crainte. Donc la Khazara est plus haute que la Amida. On fait la Khazara, en fait, le début, on commence en Khazara, on fait fort. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la Kedusha, on l'a fait fort, l'Amida. C'est pas une Khazara, c'est une sorte de Amida à voix haute pour pouvoir dire la Kedusha à 10. C'est pas la Khazara. Khazara, c'est après que tu aies dit toute l'Amida à voix basse, tu répètes toute l'Amida. Khazara, ça veut dire répétition. Tu n'as rien répété. Tu as dit à voix haute. Ken. Si quelqu'un, il fait la. Pendant la Khazara d'Achatz, lui, il est en pleine Amida, il ne peut pas répondre à la Kedusha. Comment il fait pour s'en sortir pour avoir les 4 Kedusha par jour? Alors, je l'explique ici souvent, je l'aurais expliqué pour toi, mon cher ami, pour ceux qui étaient absents. Il y a deux choses pour lesquelles. Je viens de parler maintenant de choses pour lesquelles on peut parler dans l'Amida. Il y a deux autres choses dans l'Amida pour lesquelles on peut s'arrêter et penser être rendu quitte par le Shahar Tzibour. C'est le Kaddish et la Kedusha. C'est dans le Marquel Shulchan Aruch. Quelqu'un qui est dans l'Amida, c'est dans le chapitre 124 de Shulchan Aruch, quelqu'un qui est dans l'Amida. Et le Shahar Tzibour arrive à la Kedusha. Et lui n'est pas le lieu de la Kedusha. Il est Magan Avraham, il est, je sais pas moi, Rofé Rolé, Amo Israël. Il est autre part que l'endroit de la Kedusha. Il doit s'arrêter. Il doit entendre le
Shar Sibour dire Kadosh, 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 Hashem Sakobod Mochol Akasibodo, Baur Shem Kobod Mochol Moed, Imlor, et il pense être rendu quitte. Mais il faut deux conditions à ça. D'abord qu'il entend Shar Sibour. Shar Sibour, des fois, il a une petite voix fluette et on ne l'entend pas. Ou des fois, le Shar Sibour, il répond avec le Sibour. On ne l'entend pas non plus, même qu'il crie, mais le Sibour tire encore un peu. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tu entends la voix du Shar Sibour. Oui, non, enfin, c'est pas clair. Donc il faut que le Shar Sibour, on l'entend clairement. Donc pour cela, on conseille au Shar Sibour d'attendre que tout le Sibour ait répondu. Tout le monde répond. D'après lui, il répond Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et comme ça, tous ceux qui sont dans la Mita peuvent entendre cette Kdusha et être rendus quittes par cette Kdusha. Deuxième condition, Mahloket. D'après le Ben Ishraï, il faut que le Shar Sibour pense rendre quitte de la Kdusha ceux qui sont encore en Kdusha. Comme c'est que Ben Ishraï dans son livre Ode Sefra, pas dans son livre, dans un autre livre, il écrit ça. Moshe Feinstein, un des grands rabbins ashkenazes de la génération passée, très très grand, lui dit non, pas besoin que le Shar Sibour y pense cela, par son titre, son statut de Shar Sibour, même s'il ne pense pas rendre quitte les gens qui sont encore dans la Mida, il est rendu de toute façon, en tant que Shar Sibour. Donc c'est mieux quand même, surtout nous, Sfaradim, qu'on va plus après le Ben Ishraï que le Moshe Feinstein, quand même préférable que le Shar Sibour y pense rendre quitte. S'il n'a pas rendu quitte, mais on l'a entendu, c'est valable aussi d'après le Moshe Feinstein. Première chose. Deuxième chose, le Kaddish. C'est quoi être rendu quitte du Kaddish? C'est pas des Amen, parce que le Shar Sibour, il dit pas Amen. Shar Sibour, il dit Yesh Meir Abba, les 28 mots jusqu'à Be'alma. Il faut que Shar Sibour pense rendre quitte tous ceux qui sont encore dans l'Amida, et ceux qui sont dans l'Amida se taisent de leur Amida et écoutent Yesh Meir Abba et pensent être rendu quitte. Là aussi, il faudra que le Shar Sibour se fasse entendre très fort et pense être rendu quitte. Ok. C'est quoi les 4 Hazarot qu'il a dit? J'en connais que 2 en fait. Il n'y a pas 4 Hazarot, il y a 4 Kedushot par jour. Il y a Kadosh que tu dis dans Yotzer. Ah, okay. Kadosh de Shachrit, la Hazara. Kadosh de Uval Etzion. Et Kadosh de Mincha. Ah, c'est obligé de dire en même temps Kadosh, Kadosh, Kadosh dans Yotzer Or et après dans Uval Etzion. Pas compris? C'est des, comme je l'ai dit, c'est des Kedushot, donc on est obligé de répondre en même temps que le Shahrit Sibour. Oui. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc... Ah, de celle-là, c'est bien. C'est bien, a priori, de dire le Kadosh de Yotzer, le Kadosh de Uval Etzion, de le dire avec le Shahrit Sibour, avec tous les Sibour. Et si on a de l'avance ou du retard? C'est bien d'attendre. C'est bien. C'est moins important que la Kedusha, mais c'est bien aussi. On peut le dire et le redire au pire? Oui, pourquoi pas. C'est permis. C'est marqué qu'il faut chaque jour être un tzaddik. Tous les jours. C'est quoi tzaddik? Entre autres, et c'est bien, c'est un tikkun abri tzaddik, c'est quelqu'un qui ne touche pas l'organe sexuel, qui est propre à ce niveau-là. Et bien sûr, il faut très souvent réparer les bêtises qu'on aurait pu faire à ce niveau-là. Une des réparations, c'est faire tzaddik. C'est quoi tzaddik? Tzaddik, c'est 4 lettres. Tzaddik, tzaddik, dalet, yud, kuf. Tzaddik, c'est 90. Dire 90 fois amen par jour. Je vous dis, je vous rappelle que Ben Ishraï, il a dit, quelqu'un qui a un doute qui ne pourra pas dire 90 fois Amen par jour, qui dise 45 fois Baruch Adonai, Laolam, Amen, Ve Amen. J'en ai dit 2. Si j'ai 45 fois ce verset, j'aurai combien de Amen? 90, ça c'est tzadik. Après, Dalet, 4. 4 Kdushot, qu'on vient de parler maintenant. Yud, 10, 10 Kaddishin. 10 fois par jour, il faudrait répondre Kaddish. Et pour finir, 100, Kouf 100, 100 brachot. J'ai dit aussi au nom du Ben Ishraï, si on a peur qu'on n'aura pas les 100 brachot, on dira 7 fois, 10 fois, 20 fois, vaïvaïr David, jusqu'à au mot la colle, et après on dira Baouchata Adonai, la Madani Chokecha. Comme ça, on a aussi considéré comme une bracha, ou aussi le jour où il y a la Torah, on pensera être rendu quitte par les brachot de celui qui montait la Torah. Avant, après. On pensera être rendu quitte, pas de la Birkat HaTorah, parce qu'on n'a pas fait Birkat HaTorah, on pensera être rendu quitte du bracha supplémentaire dans le compte des 100 brachot qu'on doit avoir par jour. Il faut qu'il pense à nous acquitter aussi. Non, il n'y a rien à penser, parce qu'il pense, c'est un truc très bizarre du Shulchan Aruch, qui dit qu'il faut être rendu quitte, mais ce n'est pas comme le reste des autres brachot où je vais manger une pomme, et toi aussi tu vas manger une poire, je dis rends-moi quitte pour la bracha, il faut que tu penses me rendre quitte, et moi je vais penser être rendu quitte par ta bracha. Ce n'est pas comme ça, parce que quand celui qui monte la Torah, il ne doit pas rendre quitte le Tzibour de Birkat HaTorah. Birkat HaTorah, j'ai déjà fait ce matin Birkat HaTorah, je n'ai pas besoin de la refaire, ce n'est pas moi qui monte la Torah. Simplement aussi, par le fait d'écouter bien, ça compte pour moi comme une bracha supplémentaire. Il faut que je prenne la main, bien sûr, il ne faut pas que je prenne Baruch HaVarouchement.
Ça, c'est Maran qui écrit ça, Shulchan Aruch qui écrit ça. Bien que du point de vue, c'est assez nouveau, quoi. C'est une sorte de rendu quitte. Alors, je trouve que je n'ai pas rendu quitte. Alors, c'est rendu quitte, pas t'es rendu quitte pour la Barat, t'es rendu quitte pour le compte des 100 Barot. C'est un peu différent. Qu'est-ce qui fait Baruch Hu Baruch Shemo, ça ne nous acquitte pas? Pardon? Pourquoi le mot Baruch Hu Baruch Shemo, il nous acquitte, il fait qu'il ne nous acquitte pas celui-là? Si celui qui fait la bracha il dit Baruch Ata Hashem et il attend que tu répondes Baruch Hu Baruch Shemo, ça va. Mais c'est très rare. D'habitude, les gens disent Baruch Ata Hashem et Elokeinu Melech HaOlam. Alors, quand toi tu dis Baruch Hu Baruch Shemo, lui dit Elokeinu. Donc comment tu peux à la fois écouter Elokeinu et à la fois parler? Ah, c'est juste pour ça? Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une bracha lentement, par exemple, quand vous avez fait un Shabbat, celui qui dit Baruch Hu Baruch Shemo, il a quitté. Très bien, mais à condition qu'il y ait un silence. Si tu dis Baruch Hu Baruch Shemo dans le silence, ça va. Mais si tu le dis alors que la personne est en train de dire une bracha, c'est un problème. C'est une très, 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 très malheureuse coutume que les gens répondent Baruch Hu Baruch Shemo, par exemple, au Kiddush. D'accord? Baruch Hashem, le Kiddush, c'est même des gens qui ne font pas Shabbat, ils font le Kiddush. D'accord? Ils baissent la télévision, ils font le Kiddush. Bon, Baruch Hashem, c'est mieux que rien. D'accord? Et ils ont la coutume de leurs ancêtres de répondre Baruch Hu Baruch Shemo, bien, bien sonnant, d'accord? Et le type qui fait la bracha, il dit Baruch Ata Hashem, El Kadam El Haolam, d'accord? Le type, il a dit Baruch Hu Baruch Shemo, il est déjà à la fin de la bracha, le type. Le type qui fait le Kiddush. T'as raté tous les mots. Tu ne peux pas à la fois dire un mot, Baruch Hu Baruch Shemo, et être rendu quitte de ce que l'autre dit. Comment on est rendu quitte? Il y a un dit qui s'appelle Shomea Keone, celui qui écoute comme s'il dit. Ok, alors quand j'écoute maintenant, c'est comme si j'ai dit. Alors comment je peux dire à la fois Baruch Hu Baruch Shemo et dire à la fois la bracha que je suis en train d'écouter? J'ai pas de bouche. Il dit ou il répond? Qui dit quoi? Kéoné, il y a écrit, non? Oui, Shomea Keone. Ouais, Oné, c'est dire, c'est répondre, ouais. C'est comme si. L'intention, c'est dire. Il n'a pas besoin de répondre à la bracha, il est en train de dire. Ça signifie Shomea Keone. Baruch Adonai, Amen.